Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique, ODHTV, ou comment l'histoire construit l'avenir. Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée spéciale 60e anniversaire de la vague d'OVNI de 1954. Donc je vous remercie d'être venu ce soir donc pour aussi ouvrir cette 9e saison d'ODHTV. Eh ouais, déjà 9e saison. Le temps passe vite, je me revois encore le 16 octobre 2006 à faire la première vidéo. Donc ce soir nous recevons donc Luc Chastan du site Base OVNI France. Donc bonsoir Luc. Bonsoir. C'est bon, on m'entend là ? Déjà une première question. Peux-tu nous présenter brièvement la vague, et non la vague de surf qu'on a parlé tout à l'heure, la vague d'OVNI de 1954 en France? Je dis bien en France parce qu'il y a eu aussi dans le monde. Alors en France, ça commence en fait au mois de septembre. On peut considérer que tout le début de l'année est une année classique, sauf en janvier où il y a eu un petit pic d'observation essentiellement due à une observation globale du 9 janvier. Et ensuite, tout est tranquille, il y a quelques observations mensuelles, rien de vraiment flagrant, quoi. En août, on commence à avoir quelques cas. En septembre, ça commence vraiment à devenir intéressant avec des cas d'atterrissage, d'observation d'entités. Le mois d'octobre, c'est une folie complète. Grosso modo, il y a pratiquement 2, 3, 4 observations par jour minimum. Vraiment minimum. Hein. Certains jours, c'est même une dizaine d'observations, une quinzaine, une vingtaine qui peuvent être répertoriées. Et ensuite, ça retombe à partir du mois de novembre, puisque on peut considérer que la vague s'arrête réellement à partir du 10 novembre. Ça reprend ensuite un cours classique d'observation. Mais cette vague d'OVNI de 1954, il y a de grands cas marquant, comme il y a tout à l'heure quelqu'un me disait qu'il y avait, je me rappelle très bien le cas de Marius de Wilde. Peux-tu nous en parler brièvement de ce cas? Alors Marius de Wilde, on peut considérer que c'est le cas qui a été le plus relaté par la presse. Hein. En fait, il y a deux observations. La première observation, qui date, j'ai plus les dates en tête exactement, mais je vais vous retrouver ça vite fait, du 10 septembre, est assez fortuite, c'est-à-dire, comme vous avez vu sur la vidéo, le témoin sort pour aller, comme il dit, pisser. à l'époque, la notion de toilette était différente de maintenant. Il faut savoir qu'il est dans une maison au bord d'une maison de garde barrière au bord d'une voie ferrée. À ce moment-là, il observe deux entités qui courent. J'ai plutôt le cas totalement en tête. Deux êtres surgissent de derrière la maison. Le témoin passe à des contrebandiers parce qu'à l'époque c'est assez fréquent, hein, il se trouve assez proche de la frontière avec la Belgique. La contrebande du tabac déjà à l'époque est assez importante, toujours à cause des taxes, hein, comme aujourd'hui. et c'est donc ces deux personnages qu'il observe sont assez petits. Ils sont dans une combinaison avec un casque. Un rayon lumineux vert touche le témoin, il se retrouve paralysé, il voit donc les deux êtres passer devant lui,
il entend même les bruits de pas de ces deux êtres sur la dalle de ciment devant chez lui. Il entend comme une fermeture de porte à glissière. Le rayon s'arrête. Automatiquement, Marius Deval n'est plus paralysé. À ce moment-là, il y a un objet qui s'élève, provoquant un déplacement d'air violent, une forte odeur d'ozone. Et donc c'est une masse oblongue surmontée d'un dôme, genre on va dire cigare avec dôme classique de l'époque. Hein. L'objet monte d'une trentaine de mètres à plat, puis en oblique. Il devient lumineux de couleur rouge-orangé, parce que jusque-là, l'objet était relativement sombre. Et il disparaît très rapidement. Automatiquement, le témoin raconte les faits, des déferlements de journalistes et surtout de policiers, notamment de la police de l'air et des frontières, puisque c'était un objet aérien. Et des traces sont découvertes au niveau des traverses de la voie ferrée, qui ressemblent à un enfoncement du bois dû à un poids qui a été évalué à 30 tonnes. Donc on peut signaler piles de lampes, batterie d'un téléphone qui se trouvait dans la cour, qui sont déchargées. C'est pas des batteries de téléphone portable. Hein. Ce sont les téléphones qu'il y avait qui reliaient chaque maison de garde barrière pour signaler le passage des trains. Donc c'était des téléphones qui marchaient sur grosses batteries et donc les batteries sont déchargées. Alors est-ce que c'est lié à l'observation? On peut noter que le chien de Marius Deval est décédé 6 mois plus tard. Bon, on peut pas considérer que c'est vraiment forcément en lien avec cette observation. Par contre, donc, il y a eu une seconde observation de Marius Deval le 10 octobre, où là, toujours même chose, c'est une observation, par contre là, c'est en plein jour, vers midi. Et il y a une discussion, on peut considérer, avec les entités. Ah, c'est bon, là, cette... Oui, il y a... En résumé. Exactement, ça me convient. Il y a Roswell Boutique qui dit qu'il y a un fait étrange dans ce témoignage, c'est que Deville dit qu'il ne remarque pas de bras venant des êtres, alors qu'un de ceux-ci lui tire un rayon. Alors, est-ce que il n'est pas précisé que c'est l'être qui lui tire un rayon? Le rayon, visiblement, vient plutôt de l'objet. À part le cas de Marius Deval, est-ce qu'il y a eu d'autres cas qui ont été médiatisés lors de l'affaire de 54? Alors, à l'époque, tous les cas ont été médiatisés, plus ou moins. question, même les canulars? Parce que Joël Ménard a dit qu'il y avait eu quelques canulars. Il y a eu quelques gros canulars. Certains même qui ont été divulgués il y a quelques années seulement. Notamment un cas, si mes souvenirs sont bons, dans l'Ariège. C'est pas le cas de Bélesta? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Bélesta, voilà, du 16 octobre. Effectivement, là, bon, bah, il a été... Au niveau des canulars, on a les canulars de Thénon, Marcilly-sur-Vienne, Mertrude, Montbazin... Bélesta. Donc ce sont des canulars quasiment certains, hein. Enfin même plus que certains. Il y a eu d'autres canulars, enfin il y a eu des canulars montés par des journalistes. Parce que, bon, moi au niveau de la base, j'ai quand même 824 cas pour 1954, sachant qu'entre septembre et octobre, on était 700 cas à peu près, plus de 700 cas sur les 800. Donc il y en a beaucoup qui sont effectivement des canulars. Il y a quand même, techniquement, il devrait y avoir, sur cet ensemble de cas, il y a 204 cas d'atterrissage et 90 d'observation d'entités.
Ça, c'est sur ce que j'ai répertorié. Sachant que je n'ai pas encore tout répertorié au niveau de la base. Hein. Vous avez le site de Patrick Gross qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'observations répertoriées sur 54. Et oui, c'est vrai que le site de Patrick, il y a énormément de cas d'observation. Hein. Absolument, qui est très bien documenté. Hein. Donc, j'ai rajouté Jean-Marc. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant que Jean-Marc n'intervienne par rapport à sa caméra, j'ai une question donc pour toi, Luc. Oui. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'est la ligne BAVIC. Ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que la ligne BAVIC? Alors, la ligne BAVIC, grosso modo, c'est un des plus anciens ufologues, si ce n'est pas, c'était pas un ufologue, mystérieux objet céleste, donc ça c'est la version originale, voilà. Donc Aimé Michel, qui a écrit un des livres les plus intéressants sur la vague de 54, puisqu'il a vécu cette vague, il a enquêté directement sur cette vague, il a pondu donc son bouquin en 58, avait remarqué que les observations essentiellement dans les mois de septembre et octobre pouvaient se relier sur des lignes. Voilà. Donc au centre de cette ligne, il y avait une observation d'un cigare lâchant des soucoupes volantes, enfin des disques, que sur les journées les plus intenses d'observation, on pouvait relier les observations par des traits. Certaines observations se retrouvaient même sur des lignes qui se croisaient à certains endroits. Et là où ces lignes dans la journée se croisaient, en règle générale, souvent, il y avait une observation d'un cigare lâchant des disques. De là, il a pensé que il était possible d'avoir des lignes suivies par les objets, d'où la ligne BAVIC qu'il a remontée, je crois que c'était la date du 27 septembre, si mes souvenirs sont bons. Alors, le 24, je me suis trompé d'une date. C'était les observations du 24 septembre, donc. Plusieurs d'entre elles se trouvaient sur une ligne allant, grosso modo, qu'on pouvait tracer entre Bayonne et Vichy, d'où le nom BAVIC. Donc il a démontré toute cette observation au niveau de son livre. Et il a ensuite été démontré par Jacques Vallée que ces lignes semblaient ne pas exister et que même en prenant des cas de façon aléatoire, on pouvait trouver des lignes correspondantes à des lignes d'observation. Ce qui est quand même intéressant, c'est l'histoire du cigare lâchant des objets forme disque, qui est souvent vu au croisement des différentes lignes. Donc ça va dans le sens de la ligne BAVIC. On peut aller à l'encontre de ça, c'est que les observations sur les lignes ne sont pas échelonnées de façon régulière. L'idée, c'est qu'on pourrait penser qu'une ligne BAVIC, par exemple, les observations entre Bayonne et Vichy pour le 24 septembre, est une logique au niveau des horaires. Par exemple, on voit d'abord à Bayonne, puis plus loin après le long de la ligne. Malheureusement, non, c'est un petit peu dans le désordre. Donc je dirais que ça, c'est plutôt dans le sens contraire par rapport à la théorie d'Aimé Michel. Ouais, d'ailleurs, il disait que le cigare était des portes soucoupe. Bah, c'était un peu l'impression que ça donnait. Hein. Je sais pas si tu connais l'observation de Vernon en août 54. Hein. Donc assez tôt dans la vague, hein, où la personne observe un cigare vertical, immobile, silencieux, apparemment stationné au-dessus de la rive nord du fleuve. Et d'un coup, du bas du cigare surgit une espèce d'objet en forme de disque qui tombe en chute libre, ralentit, bascule et fonce horizontalement dans une direction, en devenant lumineux.
Et quelques minutes après, un nouveau disque chute. Et il y a eu plusieurs disques comme ça qui chutent. Et il y a eu plusieurs observations en 1954 de cigares comme ça avec des disques. Et avant de poursuivre sur la vague de 54, on a parlé donc de la ligne Bavic. Et ici présent ce soir, Jean-Marc, tu as implanté il y a quelques années une caméra de surveillance, une caméra de détection, de surveillance du ciel sur la ligne Bavic. Peux-tu nous en parler ? Eh bien oui, tout à fait. Je voulais, en plus des revues et d'Internet, avoir un petit peu de technique. Et voilà, je me suis monté une station de surveillance automatique avec une caméra, un ordinateur, enfin tout ce qu'il faut. Et j'ai eu la chance de prendre une super vidéo d'un objet qui arrive dans le ciel comme ça, devant. On ne voit pas arriver de loin, il arrive carrément dans l'image, et puis il fonce devant lui. Après, on le voit carrément, lumineux. Et il arriverait du sud-est et il monterait à fond vers le nord-ouest. En fait, je précise que c'est une observation qui ne date pas de 1954. Hein, non. Les gens qui sont sur le chat, hein, c'est de cette année, celle-là, non ? 2014 ? Non, ça a 2 ans. 2 ans, d'accord. Et pourquoi tu as installé une caméra sur la ligne Bavic ? Eh bien, parce que je suis tout simplement en plein dessus. Alors, j'habite dans le Limousin, dans le département de la Corrèze, et j'ai une carte avec un tracé qui avait été fait par Lumière dans la Nuit. Bayonne-Vichy, je suis en plein sur cette trajectoire et je me suis dirigé vers Vichy. Et puis voilà, j'ai eu la chance de prendre quelques petits trucs comme ça avec la caméra. Et c'est toujours agréable le lendemain, après avoir passé la nuit, d'aller voir un peu ce qu'on a pêché. Et est-ce que tu t'es intéressé aux observations d'OVNI qu'il y aurait pu avoir dans le département de la Corrèze en 54? Ah oui, alors en 54, apparemment, il y aurait eu 8 témoignages de personnes qui auraient vu des choses. Et c'est des personnes qui sont dans des lieux différents de notre département. Et il y aurait eu aussi 2 traces d'atterrissage. Et dans les traces d'atterrissage, effectivement, il y en a une qui est bien concrète. Hein. Ça s'est passé en 54. Hein. C'est un monsieur qui s'appelait monsieur Mazot. Et qui, lui, a eu la chance de voir un cigare posé au sol, un cigare noir, et décoller, mais alors à la verticale, à une vitesse faramineuse. J'y suis allé dans cet endroit-là. C'est à Mourieras ? Oui, tout à fait. Exact, je m'y suis rendu quand je fais mes tours ufo-touristiques. D'ailleurs, financé par Base OVNI France. Alors pour... Petite info quand même, hein. Il faut savoir que le cas qui vient d'être évoqué de Mourieras a eu lieu le même jour, 2 heures avant, le cas de Carouble, de Marius Dewald. Ah, c'est intéressant, et surtout qu'à l'époque, l'information n'allait pas aussi vite que maintenant, donc il ne pouvait pas être au courant. Absolument. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la vague d'OVNI de 54 ? Bah, Jean-Marc, tu commences. Hein. Ouais. Ben, je pense qu'en 54, bon, moi j'étais pas né, mais effectivement, si on regarde, si on lit tous les témoignages, il se serait passé effectivement beaucoup de choses. Et je pense qu'à l'époque, les gens s'amusaient pas à raconter non plus n'importe quoi. Et oui, effectivement, il y aurait une grosse vague sur même l'ensemble de la France. Hein. Effectivement, il s'est passé quelque chose en 54. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu une exagération ? J'avais lu, je ne sais plus qu'à l'époque, chaque commune, chaque village voulait sa soucoupe volante. Au point que les villages qui n'en avaient pas, notamment dans le Vaucluse, le maire a carrément pris un arrêté pour qu'on parle de son village dans les journaux, disant qu'il interdisait aux soucoupes volantes de passer au-dessus de sa commune. Je l'ai vu, cet arrêté, ça m'a fait rire. Voilà.
Donc il y a aussi le fait qu'il faut voir en 54, il y a tout ce qu'on voit nous dans le ciel, les avions, les choses comme ça, c'était le début. Les gens n'avaient pas forcément... Alors, il y a beaucoup d'observations, puisque sur 800, comme je vous dis, moi j'ai sur 820 observations, on peut considérer qu'il n'y en a que 200 qui correspondent à des atterrissages. Tout le reste, c'est des observations dans le ciel. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Mais il ne fallait pas qu'il y ait confusion. Il fallait que ça soit des soucoupes volantes. Donc, ça a été présenté comme tel au niveau des journaux. Les journalistes étaient à l'affût de l'article qu'il fallait faire paraître dans le journal local disant qu'il y avait une soucoupe volante. Donc, il y a eu quelque chose, c'est indéniable. Et je pense que c'est un peu grossi par rapport à la réalité des faits. Et puis, il ne faut pas oublier que la situation géopolitique, d'après ce que j'ai compris, en 54, c'était pas trop ça. Hein. C'est un peu les débuts de la guerre froide. J'ai cru comprendre que ouais voilà ça chauffait là. J'ai parlé avec quelqu'un qui me disait qu'on a failli se la prendre la troisième. Oui, bah c'était ces époques là effectivement hein, jusque dans les années 60 où on était toujours en train de se dire est-ce qu'on va pas démarrer une guerre nucléaire hein. Mais je pense que au niveau du public, c'était moins ressenti. C'était bon. On voit par exemple dans le reportage que tu as montré au début, le journaliste qui pose la question à Marius De Weil, que pensez-vous de la confrontation entre l'Est et l'Ouest. On voit que pour lui, c'est pas quelque chose qui l'appréhende réellement. Et je pense que la plupart des Français à l'époque ne l'appréhendaient pas. Comme nous, maintenant, avec le regard de l'histoire. Alors, il y a plusieurs théories qui circulent autour de 1954. Bon, je sais, bon, d'ailleurs, tiens, petite précision pour les auditeurs. Il y aura une suite à cette soirée de ce soir, parce que j'ai pas pu faire venir à tout le monde. Il y avait certaines personnes qui étaient fatiguées, ou même malades, ou qui pouvaient pas. Donc, la suite se déroulera le 15 novembre. Ce sera une soirée spéciale OVNI dans les années 50, avec un quiz. Bon, d'ailleurs, le cadeau du premier ou de la première, parce que comme pour le moment, c'est Laetitia Ivaya qui est la grande gagnante de tous les quiz. Donc le 15 novembre, il y aura la soirée OVNI 50, qui rassemblera donc plusieurs ufologues, dont le retour de Joël Ménard, qui vous passe le bonsoir, d'ailleurs. Yes. Et il y aura aussi Claude Burkel qui sera présent. D'ailleurs, je précise que Claude Burkel va faire une conférence en Belgique le 8 novembre, d'après ce qu'il m'a dit. Il n'y avait pas de télé, quasiment même. Il y avait quoi, je crois, 1000 ou 2000 téléviseurs en France, pas plus. Alors, d'ailleurs, j'ai une autre question. Que souhaites-tu dire aux gens, enfin, à l'époque, parce qu'il y avait des journalistes qui étaient assez sympas niveau méprise. Tu as dû l'entendre, celle-là, je pense. Je prends donc cette phrase qui vient du lointain passé. Est-ce que tu penses que les témoins faisaient des méprises avec la réflexion des yeux des vaches par les phares de voiture? Oui, absolument, ça c'est tout à fait possible. Hein. Il y a aussi les gaz qui s'échappent des marécages. Non, non, mais c'était ça la réflexion qu'il y avait eu à l'époque. C'est non, mais il y a eu des tas de réflexions. Il y a même eu, par la suite, quelques années plus tard, enfin plusieurs années plus tard, un démontage systématique de certains cas qui a conduit à penser que l'ensemble des cas, en fait, c'était des conneries, des canulars, pardon pour le terme, conneries. Et du coup, suite à ça, il y a Jean Sider qui a écrit un excellent livre sur la vague 54. En fait, le bouquin se présente en deux parties. Il y a le bouquin avec tout un tas d'observations qui montrent bien que le dossier rationaliste qui avait été monté contre la vague 54 ne tient pas debout. Et il y a un cahier iconographique qui est joint, extrêmement intéressant, car rempli de coupures de presse de l'époque. Alors ne cherchez pas à carouble le lieu, hein. Tout a été détruit, modifié, il ne ressemble plus du tout à ça. J'ai des photos du lieu tel qu'il se présente maintenant, qui sont sorties dans un lumière de la nuit en 2004 ou 2005.
Tu sais, tous les lieux où il y a eu des ovnis changent. Regarde, un bon exemple, Malataverne. Oui. Malataverne, maintenant, va chercher l'endroit, c'est sous la ligne du TGV. Moi, j'aurais un autre livre à conseiller aussi. Bon, là, c'est vrai que ça rassemble beaucoup plus d'observations que celle de 1954. C'est le livre de Michel Siguier. Tu le veux ? Il est là. Non, mais je l'ai aussi, hein. Il est dans la bibliothèque. Non, mais je me doute. Hein. Donc, d'après ta base de données, on va prendre que le mois d'octobre, parce que je considère que c'est... Oui. C'est le plus gros mois. Hein. Voilà. J'ai pu constater sur base de Omni France qu'en avril, il n'y avait rien du tout. Oui. Je t'ai dit, le début de l'année 54, c'est une année normale. Il y a des mois où on n'a pas d'observation. Tu dois avoir 2-3 observations tous les mois, à part janvier, où il y a une trentaine d'observations, mais en fait, il y en a plus de la moitié qui correspondent à une même journée, un même horaire, pour une probable rentrée atmosphérique. Alors, à l'époque, c'était pas une fusée, hein, c'était ce qu'on appelle un bolide. Après, tous les autres mois sont des mois avec 2-3 aucune observation. Ça commence vraiment à partir de la fin août. Par contre, il y a quelque chose que je tiens à dire. J'ai lu une fois sur un détracteur de la vague de 1954 que en fait, cette vague est arrivée. Il y a d'abord eu des observations en masse dans le ciel. Ensuite, il a commencé à y avoir un premier atterrissage. Et puis après, il y a eu une observation d'entité avec Marius de Wilde. Et ensuite, tout est arrivé, tout le reste est arrivé. Donc, grosso modo, il y aurait eu quelque chose, une montée comme ça, crescendo, observation lointaine, atterrissage, première entité, et ensuite toutes les entités. Alors, je le dis tout de suite, c'est des conneries. Pardon pour le terme. Il y a eu des atterrissages dès le printemps qui ont été observés. Il y a eu des observations d'entités avant l'observation de Marius de Wilde. Et d'ailleurs, j'ai une question. Y a-t-il eu un département où il y a eu le plus d'observations en 54 ou pas? Là, ça dépend aussi du taux d'enquête. C'est toujours le même problème au niveau des observations OVNI. Si tu as un ou des ufologues très actifs, tu vas avoir de nombreuses observations sur une zone, sur un département. Je te prends un exemple qui date pas de 54, qui est plus tardif, qui date plutôt des années 60-70, le cas Thyrode dans le Doubs et en Franche-Comté en général. Tant que Thyrode, en tant qu'enquêteur, enquêtait largement, faisait des recherches sur les observations, allait dans les villages, parlait avec les gens, profitait de son statut d'instituteur qui donnait confiance à l'époque dans les villages pour obtenir des observations, on se retrouve avec une masse d'observations sur le Doubs, sur la Franche-Comté et notamment sur son village des Villiers qui est énorme. À partir du moment où Thyrode ne fait plus d'enquête suite à son décès notamment, comme par hasard, il n'y a plus d'observations. Alors, est-ce que il y avait des observations parce qu'il y avait Thyrode? Non, il y avait un enquêteur qui était là, qui faisait son boulot d'enquêteur, qui le faisait à fond, et ça permettait d'avoir beaucoup d'enquêtes sur une période donnée, sur une zone donnée. Donc pour 54, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'avec la différence, c'est que sur 54, il y a eu des réenquêtes par la suite, en allant dans les archives départementales, visualiser au niveau des journaux tous les articles qui auraient pu passer inaperçus et qui ont pu être ressortis comme ça. Personnellement, je me suis tapé tous les dauphinés libérés des archives de Grenoble du 15 août 54 au 15 novembre 54. Hein. En prenant en photo chaque fois qu'il y avait un article. Exact, j'ai fait la même chose dans mon département, avec l'indépendant. Voilà, je crois qu'il y a énormément d'ufologues qui ont fait cette démarche dans leur département.
Après, bah, y a toujours des départements avec une, comment dire, pas une passion ufologique, mais où les enquêteurs, on ne sait pas pourquoi, semblent mieux enquêter, plus enquêter. Donc, y aura toujours plus d'observations dans le nord, il y aura toujours plus d'observations enquêtées dans le sud, parce qu'il y a eu des périodes où il y avait des enquêteurs dans ces régions-là qui allaient bien de l'avant, quoi. Je pense qu'au niveau de 54, il y en a eu partout des observations. Il y a pas de. D'ailleurs, tu as montré la carte du mois d'octobre. Hein, Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a pas de région. Il y en a même une qui m'a sidéré, c'est que il y a. Je sais pas, c'est quel mois. Je sais plus, c'est octobre ou septembre. Il y en a une dans l'océan Atlantique. Oui, absolument. Alors, il y en a qui nous disent qu'il va y avoir une vague en 2018 ou en 2024, je sais plus. Tant mieux, ça serait mieux, ça serait intéressant. Mais il y a des ufologues qui ont pensé qu'OVNI, je veux dire, la vague d'OVNI de 54 était pour préparer les gens à ce qui allait arriver dans les années 74-78. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non. J'y crois pas, non plus. Je suis désolé, hein, je suis assez... Pour moi, c'est des vagues indépendantes. À la limite, disons que j'accepterai une théorie. Si on part du principe que jusque dans les années 40, les observations qui ont pu être faites sont des observations, comment dire, d'objets de reconnaissance, simplement, et que à partir des années 40, il y a quelque chose sur Terre qui a donné un signal. Que la Terre pouvait être intéressante à observer par des entités extérieures, si tant est que ce soient tous des entités extraterrestres. On ne va pas rentrer dans les différentes théories, hein. Là, on part sur une théorie extraterrestre. À partir de là, est-ce que tous les mondes qui éventuellement auraient la possibilité de nous visiter, si tant est qu'il y en ait énormément, peuvent arriver au même moment autour de notre planète. On peut très bien imaginer que la vague de 54 est due à un certain groupe d'observateurs proches au niveau distance avec notre planète, et les vagues suivantes sont des groupes qui étaient plus lointains et qui sont arrivés après. C'est tout à fait possible. Parce qu'il faut essayer de se replacer dans ce qui était à l'époque. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'ufologie qui oublient qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, quand il y avait une observation, les gens ne savaient pas que l'observation avait eu lieu, il fallait attendre que soit la radio, soit les journaux en parlent. Et la radio, il n'y avait pas de FM, hein. C'était que des grandes ondes. Donc voilà, il faut vraiment remettre dans le contexte. À l'époque, comparé à aujourd'hui, pour vous les jeunes, c'était la préhistoire, on va dire. Hein. Moi, j'ai connu la fin de cette époque, hein. J'étais tout petit. Mais moi, je peux parler des années 60, si on compare à maintenant, c'est hallucinant, quoi. Bah, d'ailleurs, les années 60, on va en parler en 2015, parce que je crois que c'est en juillet 2015, il y a un anniversaire par rapport à 1965, l'affaire de Valensole. Forcément. Je crois que c'est les 50 ans, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le 50e anniversaire. Ouais. Alors, il y a une autre question de Roswell Boutique. Les entités ont les yeux bridés en 1954 selon les témoignages et portent un casque. C'est plus tard, dans les années 60, qu'on y voit des êtres sans casque, semble-t-il. Non, il y a eu des êtres sans casque, même en 54, si mes souvenirs sont bons. Pas de casque à l'Octudi. L'Octudi, c'est un cas d'octobre 1954. En fait, c'est un ouvrier boulanger qui est allé puiser de l'eau dans la cour de la boulangerie. Quand il aperçoit à quelques mètres de lui un engin circulaire posé au sol, il voit sortir un humanoïde de 1,20 m de haut qui s'approche de lui, touche l'épaule en lui prononçant des paroles incompréhensibles. Le témoin garde son sang-froid, regagne le fournil, l'entité le suit, et à la lumière, il observe que l'entité donc fait à peu près 1,20 m de haut, est couvert de poils sombres, et a des yeux
énorme de la grosseur d'un œuf de pigeon. Visage ovale. Donc le jeune homme appelle son patron, l'être bat en retraite, monte à bord de l'appareil qui décolle. Voilà. Alors ça, selon certaines sources, on va dire zététiciennes, pas, enfin rationalistes, je ne sais pas comment on dit, comment vous préférez qu'on dise, c'est une chèvre qui s'était perdue. Oui, une chèvre qui marche sur ses deux jambes arrière. Oui. Absolument, absolument, et sans cornes. Oui, les témoignages de casques de moto. Alors, il y a même des témoignages en 54, si mes souvenirs sont bons, de gens qui offrent du chocolat. Alors, en continuant dans les entités, il y a Reiko qui te demande combien d'entités différentes ont été repérées en 54. Alors, exactement, j'en sais rien. Mais il y a eu pas mal d'observations quand même d'entités différentes. Bon, mais il y a le cas de l'Octudi avec la chèvre. Il y a les cas de bonhomme Michelin. Il y a des cas de petits hommes en scaphandre comme à Carouble, hein, le cas de Weil. Il y a des cas d'hommes visiblement normaux, mais en tenue de scaphandre. Il y a un petit peu de tout, hein. Des entités aussi larges que haut, avec des yeux lumineux. Il y a eu des sucres aussi. D'où sont-ils venus tous ces ovnis ? Ah, grande question. alors, perso, j'en sais rien. Après, tout dépend quelle théorie ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent la théorie extraterrestre, la théorie de ce qui remonte dans le temps, la théorie des mondes parallèles, la théorie de la Terre creuse ? C'est en fonction de... Moi, perso, je suis sur la théorie extraterrestre. Je le reconnais, hein. Les autres théories ne m'interpellent pas. Ben, personnellement, je ne saurais pas quoi répondre non plus. Mais effectivement, si nous on vit sur la Terre, pourquoi il n'y aurait pas des centaines, voire des milliers d'autres planètes avec des gens, en fait des êtres qui viendraient nous voir, effectivement. Et possible qu'il y ait des mondes parallèles et autres, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je me pose toujours la question par rapport aux entités qui ont été vues en 54. Il faut savoir que dans mon quartier, il y a eu un RR3, là où j'habite, en 1954. Bon, avant, il n'y avait pas autant de lotissements, donc à mon avis, il devait y avoir un mas, c'était le cours Lassus. Et il y a eu une observation d'entité dans ce coin-là. Bon, après, trouver une relation avec quelque chose géographique ou autre, avant, ici, c'était des marécages, là où je suis. À l'époque, c'était un coin tranquille. Voilà, maintenant, c'est plus trop le cas. D'où un atterrissage, d'où une sortie d'entité. Il n'y a pas d'atterrissage, c'est très... Enfin, si, il y en a eu, mais c'est extrêmement rare... en plein centre-ville, dans un lieu peuplé, c'est plus que rare. La plupart des atterrissages, des observations d'atterrissage sont assez fortuites. Ce sont des gens qui passaient, qui ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir parce que on a l'impression que l'objet a choisi cet endroit pour son calme, se pose, fait des prélèvements et s'en va. Voilà. C'est un peu l'idée que ça donne des fois, et souvent même. Oui, parce qu'on pense avec notre esprit de recherche, quand on envoie des robots sur Mars ou sur la Lune, c'est pour faire des prélèvements. Voilà. Si ce n'est que, je pense que si Mars était habité par des entités, on a la certitude que Mars est habité par une civilisation qui a une certaine forme d'intelligence, peut-être même retard par rapport à nous, on va tout faire pour pas se montrer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est assez intéressant. C'est Roswell Boutique. Il dit que c'est peut-être à cause de la culture populaire sci-fi des années 50. Alors, la culture populaire sci-fi des années 50 en France... Je pense que c'était surtout aux États-Unis. Hein. Voilà. En France, ça a commencé.
Si, ça commençait avec le avec les éditions du Fleuve Noir. Mais c'était pas. Il faut se rendre compte que la culture à l'époque ne se répandait pas de la même façon que de nos jours. Le milieu campagnard, hein, sans être péjoratif, hein, était moins concerné que le milieu citadin. Je suis en train de diffuser quelques images de la science-fiction des années 50. C'est de la science-fiction américaine. Hein. Voilà, américaine, bien sûr. Voilà. La science-fiction était marginale à l'époque, hein, contrairement à nos jours. Hein. C'est fort probable qu'effectivement, ils se soient grisés un peu à ça, hein, ce genre de gloire éphémère. Mais comme il le dit lui-même, il aurait préféré ne rien voir et surtout ne pas parler. Ça lui a apporté plus d'enquiquinement que de bonnes choses. Je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui sont passés dans la presse ou autre et qui ont ce genre de réflexion. Oui. Un peu comme Maurice Masse ou... Là, je vois quelqu'un que j'ai vu dernièrement encore, qui était passé dans la presse en 2010, et qui dit franchement, si je devais le refaire, je le ferais pas. Voilà, j'en parlerai pas. De toute façon, quand tu enquêtes un petit peu, tu te rends très vite compte que les gens ont peur, pas peur de ce qu'ils ont vu. Là, ce qu'ils ont vu, ils veulent une explication. En fait, ils recherchent une explication. Ils n'arrivent pas à donner une explication. Ils font appel à l'ufologue pour essayer d'avoir une explication. Mais ils veulent pas que ça se sache que eux ont vu quelque chose. Donc, ils demandent qu'on. Moi, souvent, on m'a demandé de ne pas donner le nom. Ça, c'est logique. Mais j'ai même eu un cas une fois. Où la personne demandait de ne pas dire sur quelle route c'était, parce qu'en fonction de l'heure, quelqu'un pouvait savoir que c'était lui qui passait. On l'a bien vu dernièrement, il y a eu une actualité. Bon, là, on va quitter le monde ufologique de 1954. Puis revenir après. Oui, c'est vrai. Comme tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de remonter le temps, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Sur DH, on remonte le temps. Et c'est par rapport à quelque chose qui a fait la une dernièrement. Il y a eu un article que j'ai transmis sur ma page Facebook où un ovni au Sénat sur France Info où il y a des journalistes qui parlent de l'ouverture du repas ufologique de Nantes et puis basique ça rigole etc comme d'habitude quoi. Oui non mais ça c'est le côté du journaliste hein. J'en ai connu très peu qui alors il y a aussi le fait que souvent quand le journaliste est en groupe il va plutôt se gosser. Quand il est seul face à toi, c'est souvent une autre façon de voir les choses. Mais en groupe, tu ne peux pas admettre que tu enquêtes là-dessus, que tu même ne serait-ce que tu y penses, c'est forcément quelque chose dont tu vas parler en souriant et en te moquant. Hein. C'est simplement le fait de pas passer pour un imbécile. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas en 1954 marquants à part ceux qu'on a déjà dit ce soir? Sur la France ou vers chez moi? En Corrèze ou sur la France? Je pense que Jean-Marc, ça sera pour la Corrèze et Luc pour la France. En 54, je ne sais pas, mais bon, on en a eu plusieurs les années qui ont suivi, c'est sûr. Alors oui, il y a eu d'autres cas intéressants. Maintenant, c'est sûr qu'ils ont moins été documentés que celui de Deville. Bon, il y a le cas de Prémanon qui est intéressant, celui dont on a parlé, hein, les morceaux de sucre. Alors pas des pains de sucre, hein, comme j'ai vu sur le chat. Hein. On parle de morceaux de sucre, le gros morceau de sucre rectangulaire blanc. Hein. Il y a eu énormément de cas. Le problème est là, c'est que il y a eu des tas de cas extrêmement intéressants. Je vous invite éventuellement, si vraiment vous voulez faire une étude de ça, d'aller sur le site de Patrick Gross hein, pour
vous avez énormément de choses, énormément de cas. Mais sur base OVNI aussi, vous verrez, hein, avec 90 cas d'observation d'entité, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes. On a les premières paralysies vraiment importantes, quoi. Les premiers phénomènes au niveau de physique de la personne en relation avec l'observation. Donc il y a des cas intéressants, importants. Il y a pas bon de Weil, c'est le cas que tout le monde plus ou moins connaît. Hein. C'est celui dont il faut parler. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, une question de Steph 85. Est-ce qu'il y a eu des cas en Corse ? Pas à ma connaissance, en tout cas. Oui, des militaires, des gendarmes ont été témoins en 54. Alors, une question de Forbach. Des témoins ont-ils reçu des messages ? Est-ce qu'il y a eu des contactés dans les années 50 ? Alors ? À part Adamski. Hein. Non, mais dans les années 50 ou en 54 ? En 54 déjà, et après on verra pour le reste. Alors, contacté sur la vague de 54, pas à ma connaissance. Maintenant, est-ce qu'une discussion en russe avec une entité, c'est un contact ? Je ne sais pas. Est-ce qu'une entité qui t'offre du chocolat, c'est un contact ? Je ne sais pas non plus. Et ça, ça a eu lieu. Ça devait être un extraterrestre belge. Non, il semblerait qu'en fait c'était quelque chose un peu en forme de chocolat, enfin un peu comme du chocolat, mais qui aurait été un produit, d'après la description, hein, qui permettait à la personne de ne pas avoir d'effet secondaire au moment du décollage de l'objet. Moi je vois un petit peu, ça me dans mes souvenirs comme ça. Hein. On va dire que le seul qui est contacté, c'est Marius de Weil. Au moment de sa deuxième observation. Il faut voir qu'il n'y a pas eu qu'en France, qu'il y a eu des observations en 54. Je sais qu'il y a des ufologues italiens qui sont en train de remonter la vague de 54 pour l'Italie. Donc, il y a eu visiblement, sur l'ensemble des pays d'Europe, une vague. Elle a été plus montée au niveau des médias en France, c'est probable, mais visiblement, il y a quand même eu quelque chose sur toute l'Europe, voire sur le monde entier. Moi, je vois plutôt un phénomène. Il y a eu un déclencheur. La théorie, bien entendu, c'est la bombe atomique, qui a les premiers essais de bombe atomique qui auraient été le déclencheur qui permet de savoir que, quand, disons, grosso modo, quand une civilisation sur une planète arrive à contrôler, à créer une bombe atomique, c'est qu'elle commence à avoir un certain niveau de connaissance. Il faut aussi penser que la connaissance n'est pas linéaire. D'une civilisation à l'autre. Il est fort possible que l'événement bombe atomique, enfin réaction atomique non contrôlée comme dans la bombe, soit peut-être pour certaines civilisations liée à une meilleure avancée de la technologie et de la physique de ces civilisations-là, c'est-à-dire qu'elles seraient plus avancées que nous au moment où nous on a fait pas cette découverte, mais disons on a lancé ce protocole pour créer ces bombes, du coup peut-être que sur une civilisation plus classique que la nôtre, sous-entendu qu'on serait moins classique. Il est possible une bombe de type atomique, enfin disons une réaction atomique dans l'atmosphère serait peut-être liée à une possibilité de commencer à aller se promener dans les étoiles. Du coup, c'est une théorie, hein, ça attirerait les autres civilisations qui verraient ce marqueur
se disant, tiens, cette civilisation arrive à un âge où elle peut commencer à aller dans les étoiles. Vous voyez ? Malheureusement, nous, on aurait découvert le phénomène atomique trop tôt par rapport à notre niveau de civilisation. Oui, et puis on l'a découvert de la mauvaise manière aussi. Voilà, nous c'était pour se taper dessus. Donc c'était peut-être trop tôt pour... Moi je verrais bien quelque chose comme ça. Ce phénomène est arrivé trop tôt par rapport à au déroulement normal d'une civilisation. Et on voit, on le contrôle mal, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Japon, ce qui s'est passé en Russie, enfin en Ukraine. Hein. Donc on contrôle mal le phénomène atomique, c'est indéniable. Alors, il y a un message de Karan qui dit « Pour les missiles désactivés, avec en plus les essais sur l'atoll de Bikini, est-ce qu'il se pourrait que le message soit clair, mais est-ce vraiment ça ?» Je sais pas, je ne peux pas répondre. Ça peut être ça, ça peut être lié. Et puis ils découvrent qu'en fait, bah nous on s'en sert pas pour se promener dans les étoiles, on s'en sert pour se taper dessus. Donc d'où les phénomènes de désactivation de missiles qui ont été décrits aux États-Unis, qui auraient eu là aussi avec des grands guillemets qui auraient eu lieu aussi sur le plateau d'Albion, hein, à l'époque où le plateau d'Albion était fonctionnel. Et pour toi, Jean-Marc, qu'en penses-tu ? Je dirais que je suis un peu du même avis, mais après, je ne saurais pas en dire plus. Mais je pense que la vague 54, oui, effectivement, ça a peut-être été la planète à aller découvrir. Pour ces êtres qui viennent de l'espace, oui, peut-être bien qu'il y a eu une espèce de, pas de bouche à oreille, mais que ça a été la planète dans le vent, qu'il fallait à tout prix aller voir, et peut-être que ça a attiré un peu toutes ces petits êtres avec leurs ovnis à venir nous voir, tout simplement. Maintenant, de là à ce que ça parte dû après un effet atomique, je ne saurais pas le dire. C'est une théorie hein, qui court. Hein. Oui, tout à fait. Une reprise, hein, donc après, il peut y avoir tout un tas. J'ai vu aussi une fois la théorie du Conseil galactique. Non, il y aurait une théorie comme quoi, enfin bon, c'est une théorie, il y aurait un Conseil galactique qui donne les autorisations d'aller faire des recherches sur certaines planètes arriérées comme la nôtre. Donc on peut très bien imaginer que suite à quelque chose, on va reprendre l'exemple du marqueur nucléaire, hein, suite à ça, un certain nombre de civilisations ont demandé l'autorisation d'aller étudier ce qui se passait sur notre petite planète, ne serait-ce que voir si ces réactions atomiques déclenchées dans l'atmosphère se retrouvaient au niveau du terrain, des herbes et tout. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de groupes qui ont obtenu des autorisations pour le mois de septembre-octobre 54 sur l'Europe. Alors, Roswell Boutique nous mentionne que dans le cas de Deville, donc on revient en 1954, les entités lui auraient enlevé des poules. Oui, au moment de la deuxième observation, au mois d'octobre. Ben maintenant, il devrait aller chez KFC. C'est pas le même genre de poule. Pauvre bête. Y a-t-il d'autres cas d'enlèvement animal en 54 ? En 54 ? Non, pas à ma connaissance. Là, dans mes souvenirs, j'en ai pas. Je sais plus si c'est en 52 ou 54 qu'il y a eu, on va dire, une tentative d'enlèvement d'une jument. Enfin, si c'était une tentative, puisque la jument a décollé du sol, mais documenté, j'en ai pas à ma connaissance. Il y a une,
alors je ne sais plus en quelle année c'est, il y a eu une observation, enfin c'est plus qu'une observation, puisqu'il y a eu une observation d'objets, d'entités par une dame en Italie, où là les entités sont reparties avec, avec des légumes, je ne sais plus exactement. Si, c'est vrai que si on se met à leur place, on arrive sur une planète qu'on ne connaît pas, où il y a beaucoup de choses à étudier, il y a d'autant plus de culture sur cette planète que de langues, dont on va prendre tout ce que les gens ont à la portée de leurs mains, quoi. Bah, je sais pas si tu avais, si tu as connu ces cas de personnes. Il y a au moins deux cas comme ça, à ma connaissance, d'humains qui aideraient des entités extérieures à notre civilisation, à notre planète, on va dire, qui viendraient donc, qui seraient sur Terre, qui de temps en temps sont récupérés, et ont des genres de missions sur Terre. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Quand tu me dis ça, ça me rappelle l'affaire Rosset. Entre autres. Le fameux Français qui avait été enlevé et qui revenait des fois pour... je crois que c'était un instituteur, non ? Je sais plus. Alors, c'était un instituteur dans l'affaire Rosset, absolument. Mais il y a aussi cette lettre qui était sortie dans LDLN. Je ne sais plus dans lequel, c'était ça devait être dans les années 2007, si mes souvenirs sont bons, de cette personne qui avait écrit une lettre à son fils, il me semble, quelque chose comme ça, où il racontait qu'en fait, c'était pendant de nombreuses années, il avait été au service d'entités... extraterrestre, on va dire. Hein. Il y avait une description qui était assez intéressante. Par rapport à la vague de 54, il y a eu une question. Est-ce que l'ufologie française, est-ce que son visage a changé, c'est-à-dire de décembre 1953 à janvier 1955, par rapport à la presse ou, on va dire, au peuple? Alors, l'ufologie française, à l'époque, c'était pas grand-chose, hein. Des bouquins français à l'époque, il n'y en avait qu'un seul qui était sorti. Hein. C'était celui-ci, celui de Jimmy Gueux. Il n'y avait rien d'autre en France, hein, au niveau de l'ufologie. Il y avait des gens qui commençaient à se poser des questions, surtout depuis la vague de 52, surtout grâce à Jimmy Gueux qui avait une émission sur Radio Monte Carlo. Mais même maintenant, je dirais, on a plus de personnes qui s'intéressent à l'ufologie qu'à l'époque. 54 a été, quelque chose qui a permis à des personnes qui n'étaient pas au courant du problème de rentrer dans le problème de l'ufologie. Donc oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'ufologie en 54, entre avant 54 et après 54. Je dirais que la vague de 54 est un déclencheur. Ah, à mon avis, il y a eu une nouvelle génération d'ufologues grâce à 1954. Oui, il y a beaucoup d'ufologues, hein, qui parlent de 54, des ufologues anciens, maintenant certains sont décédés, qui ont commencé à rentrer dans l'ufologie à 54, hein. Ou qui était gamin en 54, et quelque part ça les a marqués. Ah, d'ailleurs, dans les mémoires de l'ufologie, il y a beaucoup d'ufologues qui me disent qu'ils ont commencé en lisant Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde de Jimmy Gueux. Mmh. Oui. Mais les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, c'est surtout la vague de 52. Faut quand même voir qu'il y avait une émission, hein, de Jimmy Gueux, hein, sur les ondes, hein, sur les soucoupes volantes, hein, dans les années 50. Et d'ailleurs, il y a Russell Bouty qui demande si ces émissions seraient disponibles actuellement. Je sais pas. Bah, il faudrait peut-être demander au SO, ça, de savoir.
Je dois avoir une photo quelque part de Jimmy Gueux, notamment dans le studio en train de parler. Mais je ne sais plus où elle est. Pour vous donner une idée, un de mes premiers souvenirs ufologiques date des années 60, d'un reportage de plus d'une heure sur les ovnis que j'ai vu sur Télé Monte Carlo, qui à l'époque, pendant mes vacances, j'allais tous les ans à Nice au mois de juillet, et à Nice, ils recevaient Télé Monte Carlo. C'était juste la limite, plus loin, on le recevait plus. Et y a ce reportage, je m'en souviens franchement, je devais avoir quoi 9 ans, 9-10 ans, pas plus. Donc je parle de 1968-1969, j'ai jamais retrouvé ce reportage. Mais tu penses que ça serait où ça là? C'est pas les archives de l'INA ça? Non, parce que c'était pas sur la télé française. Il faudrait chercher dans les archives à Monaco. Si tant est qu'il y a des archives de ces reportages. Hein. Le seul voyant que, on va dire entre guillemets, je connais ce qui s'est pas trompé, c'est Jimmy Gueux. Qui en 52 a prévu qu'il y aurait une vague en 54. Il s'est pas trompé. Ok, bah je te remercie beaucoup. C'était puis, pour clôturer la vague de 54. Voilà, bah ouais, bah ça sera la phrase de fin. Voilà, bah je vous remercie tous et puis bah je vous donne rendez-vous le 5 novembre 2014 pour la prochaine soirée en direct. Sur ce, bah je vous souhaite un bon dimanche, une bonne nuit avant, un bon dimanche et à bientôt sur DHTV. Au revoir, à bientôt.